Au siècle dernier, les appareils photo fonctionnaient avec des pellicules. Cela manque de couleurs. Mets-toi à jour, Philibert. Aujourd'hui, les appareils photo numériques utilisent des cartes mémoire et surtout un capteur de lumière. Mais comment cela fonctionne? Regardons ça. Le capteur, c'est un peu l'œil des appareils numériques. Il a été inventé en 1969, ça date pas d'hier. Situé au cœur de votre appareil, il s'agit d'une toute petite plaque composée de millions de photosites. Ces petites cellules interceptent les grains de lumière, appelés photons, pour les transformer en courant électrique. Pour fabriquer la couleur, on dépose des filtres à la surface des photosites. Du rouge, du bleu et deux fois plus de vert qu'à notre œil est plus sensible. Avec 4 photosites, on obtient un petit carré coloré. Ce sont les fameux pixels. Voilà comment la lumière est capturée quand vous prenez un cliché ou un selfie. Tu veux essayer ?